Bonjour à tous, ça lance surtout pour une dernière vidéo de Fable 3, sans compter les DLC que je ferai plus tard bien sûr, pour la fameuse grande bataille finale de Fable 3. Donc on est parti, on va aller défendre la ville contre le Torchereur et contre les forces des Ténèbres. Donc c'est parti. Continuez. Joli travail. Ouh yeah. Oh, trois d'un coup. Devrait pouvoir s'en sortir. Joli, il se relèvera. Il est là. C'est bon, il est là. Ouais, aucune armure vous arrête, hein. Cette chose se tait jamais. Joli tir. Bon. On va pouvoir avancer et continuer. Le royaume de la mort. Je ne peux plus supporter cette voix. Ouais oui. Bon. On va continuer, on va essayer de sauver au moins ce qui reste de Bowerstone. Hein. N'écoutez pas ça. Ça va vous rendre fou, n'écoutez pas. Vous devriez pouvoir tirer à travers cette armure. Il faut trouver cette saleté et la tuer. Hé hey, il a failli casser mon épée. Laisse-nous tranquille. Ah, voilà, oui, désintégré. Mon sort devrait venir à bout de ces... Regardez-nous pénétrer votre cœur. Bon. Ah. Il y a quelqu'un qui est mort là? D'accord, je comprends pas. Ouh, c'était qu'une ombre. C'est irréel. C'est irréel. Seulement un cauchemar. Où sont-ils? Les voix des morts s'agrippent désespérément à un million d'yeux. Alors, on joue les fanfarons? Est-ce que tu vois les autres? Jeune gens, le gloussement d'une gorge que l'on vient tout juste de trancher. Nous sommes comblés par vos torrents de désespoir. Ils sont en train de mourir. Vous avez fait tellement de mal autour de vous. Toutes les personnes qui vous ont connu se réjouiront de votre mort. Alors, désolé, j'étais pris dans le jeu là, j'ai plus rien dit, c'était assez sympa. Donc on continue, hein, on rejoint notre fameuse, je ne sais plus d'ailleurs. Ne cherchez pas à nous provoquer. Avec l'horrible lueur qui émane de vos pauvres corps brisés. C'est un affront impardonnable fait à la nuit. Désolé, il y a un peu beaucoup de monstres, j'essaie de me concentrer en même temps. Pourquoi on n'a pas d'armure comme ça, nous? Nous devons rester groupés. Oh oui, ça c'était joli ça. Vous aurez le temps de vous citer, car c'est ainsi que vous pourrez découvrir le véritable bonheur. C'est le cadeau que nous voulons vous faire. Les effets peuvent en venir à bout.
De bons tireurs comme nous devraient pouvoir s'en sortir. Voilà. Non, je suis pas encore passé. C'était sympa l'effet qu'on est passé dans le couloir, je sais pas si vous avez magnifique. Vu. J'aimerais qu'on sache tout on était dans le couloir. Avec les vitrines qui explosaient à chaque fois. J'espère qu'il y en aura d'autres. Tu tombes délicatement dans une rivière. Vous êtes les jolies fleurs que les hommes accueilleront. Pour toutes les lancer dans l'eau stagnante. Écoutez comment la mort bat des ailes pour vous. Bon. Tiens. Chacun son tour hein, pour le sort. Voilà, ça lui a rien fait du tout. Je crois que son occupant s'est fait cuire. Le gardien noir va faire cette chose. Et il nous protégera. Mais comment est-ce qu'on va passer? Vous devriez pouvoir tirer à travers cette armure. Joli travail. Je sais pas ce que je monte à chaque fois. À 30% de dégâts quand les ennemis se trouvent près de roi. D'accord. Le grand gardien noir protégera les enfants à tout jamais. Voilà, donc là au moins le sort a été jusqu'à lui. C'est pas plus mal. On va pouvoir finir. Venez ici vous. Il s'arrête jamais. De bons tireurs comme nous devraient pouvoir s'en sortir. Joli. Qui est notre créateur? Qui a élaboré ces formes si légères et tellement fragiles? Vous vous déchirez comme des ailes d'insectes dans nos mains. Oh, désintégré, pas mal. Alors, où est-ce que j'en suis là? Ah, encore un gros. Notre protecteur, notre sentinelle, le moteur dans l'obscurité. Oh, magnifique! J'aimerais qu'on sache. Ouais, moi aussi j'aimerais bien que vous saviez. Que vous sachiez tout. Pardon. Que vous saviez tout. Oui. Ouais! Aucune armure ne s'arrête, hein! Ah, putain de. Il est bloqué ou quoi? Ah non, voilà, c'est bon, désintégré. Tous ces êtres qui vous sont chers, vous êtes en train de vous dire que vous ne les reverrez jamais. Carrément, eh ben dis donc. Moi j'ai de botter le cul, le dévoreur. Le dévoreur, le tortureur. Ah. 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 Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste changé peut-être un truc. Je ne sais pas quoi prendre en fait. Peut-être changer d'arme, non? 63, 74. Ouais, 75. Allez, lequel des deux? On prend celui-là. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Je la sens. On se rapproche de cette chance. Où êtes-vous? Montrez-vous! La brebis égarée retrouve toujours le troupeau. Nul ne peut jamais réchapper des forces des ténèbres. Oh, Walter! Miam, miam, miam! Vous voyez? Vous voyez ce que vous avez laissé faire? Nous sommes tous des ombres maintenant. Hey, alors. Je ne peux pas passer. Rampez. Au secours. Au secours. Bah allez, on va l'affronter comme une femme, comme un homme. Ah, il a. Bon. On va changer de technique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, le personnage il bug complètement. Vous êtes déjà morte à l'intérieur. Rejoignez-moi dans les ténèbres. Tout ce que vous aimez se transformera en ombre. Tout
Tout ce que vous voyez maintenant est destiné à mourir. Non, je vais mourir, je crois, non. J'espère pas, ce serait bête de mourir. Tout ce que vous voyez maintenant est destiné à mourir. Les ténèbres vont envahir le monde entier. Tout ce que je veux, c'est veiller sur vous. Ne suis-je pas votre figure paternelle? Tournez, tournez, tournerons. Oh, ça c'était joli. Laisse-moi! Laisse-moi! Ah non, 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 voilà. Tiens, je mange. J'ai l'air peut-être con à tourner comme ça autour, mais au moins je récupère un peu de ma vie. Ah putain de... Je la batte ! Il le faut ! Les ténèbres vont envahir le monde entier. Enlève-moi ça, pitié ! Il est à nous. Les enfants. Ah non, voilà. Je ne vois pas les enfants. Bon, désolé. Hein. C'est pas grave. De toute façon, on va vite en finir maintenant. Ça commence à faire long. Ah, je déguste hein, quand même. Ne te retiens pas. Non, je suis prêt. Regardez bien ce que vous m'avez fait. Tu peux la battre ? Bah ouais, j'aimerais bien. Ah, il est coriace, hein ? Voilà. Oh non, Walter, il est mort. Enfin, je crois. Oh, je ne spoilais pas la fin de la fin, désolé. Elles étaient en moi depuis tout ce temps. Mais la lumière est là désormais. Je vois le ciel et sa lumière. Je crois que je ne vais plus pouvoir me battre. C'est terminé, Walter. Nous avons gagné. Et nous avons gagné ensemble. Tu te souviens des histoires que je te racontais quand tu étais petite ? Il était une fois une grande reine, la plus puissante des héroïnes. Tu te souviens de ce que tu disais? Apprenez-moi à être une vraie héroïne. Je suis fier de toi. J'ai toujours été fier de toi. Oh, Walter. Oh... Ah, c'est elle qui chiale comme ça depuis tout à l'heure. Oh là là. Ouais. Bon. Bah, c'était triste. C'était la minute sentimentale de la chaîne. Je suis désolé. Bon, bah. Ah, 80G. C'est pas mal ça. Donc, nous voilà à la fin de notre histoire de Fable. Hein. De Fable 3, pardon. Je ferai certainement les DLC par après. Peut-être pas directement. Je verrai si j'ai le temps. Ah oui, c'est vrai. «
Je crois que Walter aurait aimé cet endroit. Être grand et de marbre. Ça lui aurait plu. J'imagine ce qu'il dirait s'il était là. Taisez-vous, Ben. Ah oui, c'est ça. Je retourne maintenant retrouver les miens. Si vous voulez sauver le monde d'une nouvelle menace, vous savez où me trouver. Mon peuple n'oubliera jamais tout ce que vous avez fait pour lui. Nous sommes très fiers de faire désormais partie de l'Albion. Je retournerai à Aurora, forte de la paix durable qui nous y attend. Merci pour votre aide. Au revoir, Votre Majesté. Walter avait raison à propos de vous. Vous êtes une héroïne dans tous les sens du terme. L'héroïne que l'Albion attendait. Qu'allez-vous faire maintenant ? Je continuerai à vous servir du mieux que je pourrai. Mais il faut que je retourne en ville. Les gens là-bas auront toujours besoin de moi. Au revoir, ma reine. Tu es parvenue à braver l'impossible. Je dois reconnaître que je n'ai jamais été un souverain aussi habile que toi. Tu n'as plus besoin de mon aide à présent. Et l'Albion se portera mieux si je disparais. Alors, ma reine, ma vieille copine, la souveraine suprême, vous avez réussi. Vous avez sauvé le royaume. Et c'est à mon tour de vous dire adieu. Je n'ai pas l'étoffe d'un général. Et j'ai envie de recommencer à voyager. À moins que Paige ait besoin de mon aide aux industries. Avant de partir, je tiens à rendre un dernier hommage à notre ami. C'est pour vous, Walter. Ah, Teresa ? Voilà le monde qu'on aurait pu connaître. Dénué de couleurs, dénué de toute vie. Grâce à toi, nous y avons échappé. Et tu nous as préservés d'un autre règne tyrannique. Le peuple t'adore, et tu as fait disparaître les ténèbres engendrées par Logan. Tu as honoré ta promesse à Savin et ses hommes, alors que tu aurais très bien pu leur tourner le dos. C'est d'une grande noblesse. Tu as juré à Paige que tu améliorerais le bien-être du peuple, et tu as tenu ta parole contre vents et marées. Tu as fait pour les Auroréens ce que ton frère n'a pas su faire. Il a manqué à sa promesse, mais toi, tu as tenu parole. Si tu n'avais pas pris les bonnes décisions, nous ne serions pas là aujourd'hui. Peut-être nous reverrons-nous un jour, ma reine. N'allez-vous pas me dire ce qui m'attend ? Le futur se révélera à toi en temps et heure. Et voilà, Fable 3 c'est fini, voici le générique de fin, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Il y a un nouveau jeu sur la chaîne, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, salut tout le monde.